Yo, c'est les gens, comme je suis hyper productif, je vous repropose un 3 tirages, donc de 9 gemmes sur fait de grand ordre. Comme la dernière fois, comme je suis super productif, hein, bah bien sûr. Donc voilà, donc on revient sur 3 tirages, donc je viens de finir l'événement Oda Nobunaga, qui était vraiment assez facile ma foi. Donc avec un bon Nobu bien stuffé niveau 11, c'était quand même pas mal. Donc on va relancer un tirage. Donc voyons ce qu'on va obtenir, hein, si on a de la chance ou pas. Je sais de d'autres que j'ai tous, mais quelque chose me dit que j'aurai pas de chance ou pas. Mystère. Alors ça commence, oh, sur un servant et un casteur de nuit. Il me semble que lui c'est Mephistos, si je ne me trompe pas, je l'ai déjà en plus, donc va te faire voir. J'ai déjà Mephistos, donc bon, à ce sujet-là, j'en ai un peu rien à... Je pense qu'on dit ça. 3 étoiles, ouais. J'ai l'impression que sur Fate Go, mais j'ai pas de chance. Ouais. Alors, pour tous les joueurs de Fate Go, est-ce qu'il y a un gacha... comment dire ça? Est-ce qu'il y a un ratio chance qui augmente si on fait plusieurs gachas défilés, donc genre 30 gemmes? Si vous pouvez me dire en commentaire si c'est éventuellement possible, parce que moi j'en ai un peu marre de tirer de la merde. Voilà. Donc alors, on va recommencer le gacha sur Fate Go du plaisir. Allons-y, Alonzo. Allez, on pense à chance. C'est le dernier. C'est le dernier dans l'ordre, ça doit être le bon. Les couilles sur ton front. Bon, c'est du 3 étoiles. It's better than nothing. Je pense que je vous dis ça, mais bon, j'aurais préféré un peu plus. Bon, bah écoutez, sur ce tout petit tirage, ma foi, pas génial, hein, je pense qu'on peut le dire, pas génial. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo gacha. Sur ce, ciao bye bye les gens.